Alors, ça va quoi, gros? Ça va faire quoi aujourd'hui là? Je viens d'arriver là. Tranquille, je viens d'arriver là, Saint-Charles. On commence la vidéo comme ça, je crois. C'est ça, hein? Meilleur endroit pour présenter Marseille. Ah ouais, le point de départ, on va dire. Gare c'est emblématique ça. De Marseille. C'est ça? On est entre voile arraché, vente de bédo. Il y a tout ce qu'il faut ici. Eh, on m'a dit c'est la gare la plus cramée de France. Cramée ici, là. T'es déjà arrivé des folies ici ou quoi? Ici? Ouais, quelques folies, des fous que j'ai croisés, des fous. Bon là, Saint-Charles, Marseille, bien arrivé mon sang. Ah ouais, toujours, hein. Déjà, on va faire quoi? Grosse vidéo. Ouais, mais on va faire quoi? Explique-moi un petit peu. Régaler, on va aller voir des rappeurs, je vais te raconter des anecdotes. Tout Marseille, je vais te présenter Marseille. Un gros tour à Marseille alors. Non, mais des gars qui connaissent Marseille mieux que moi. Ah bah c'est carré, hey, avant tout, parce que c'est la première fois que je fais une vidéo avec quelqu'un qui n'est pas un rappeur, je crois. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Moi, c'est Nono. Je fais des vidéos sur YouTube, je fais des lives sur Twitch, je fais des vlogs, j'essaye de me débrouiller. Avant on n'était pas dans YouTube, maintenant on y est, donc maintenant faut jouer le pain, faut jobber. Et voilà, j'essaie de se débrouiller. C'est ça, bon allez, ça va faire un petit tour. Hein. La Liga 1, t'entends. Je suis le Liga 1, frère. La Liga 1, hein. Le Liga 1, la crise au moins, comment que. La crise au moins, comment que le salon, tu sais quoi? Attends, c'est pas un bambou, c'est du bambou. Oh merde. Vas-y, t'entends. Crédit égyptien, écorce. Ouais. Celui qui fait attention à toi et toi tu fais attention à moi. Ça marche, y'a pas de soucis. Ça. Réunion des clans de ici. Regarde la voiture, elle a un camo et tout. T'as pas eu une anecdote ou un truc à nous raconter que t'as eu ici ou quoi? Ici, un jour je volais une trottinette électrique. Je ne volais pas, c'est pas bien les gars. Mais je voulais une trottinette électrique, je voulais la vendre ici, la vie de ma mère. 200 euros, je me suis fait. Ils prennent tout ici. Tout ce que tu voles, ah ouais. Pas écloud, tout ils prennent ici. Ils vendent des cigarettes, ils vendent tout. Et là, tu peux plus, il y a le marché pour les. Maman, il y a tout. Marché au plus, les gars, pour laisser. On est dans le 14e arrondissement de Marseille, l'équipe. Et là, je vous présente un frérot à moi, c'est un rappeur. Et la vie de ma mère, il l'envoie. Venez, venez. Ouais. C'est comment mon sang? Bien. Présente Meta à l'équipe. Alors Meta, ça fait longtemps, hein? Ouais, j'adore. Ouais. Bon, vous deux, vous vous êtes rencontrés comment? Vous vous êtes connus comment? La vérité, il y avait un concert à la Casté. J'étais y allé et tout. Et moi, j'étais même pas youtubeur et tout encore. Je crois que j'avais commencé. Avant YouTube. Et moi, j'avais suivi un peu ce qu'il faisait et tout sur internet, des sons et tout. J'avais bien aimé. Je le vois comme ça à la Casté, je le check, j'aime bien ce que tu fais et tout. Et plus tard, moi, après, je commençais YouTube, je commençais à percer et tout. Et je suis allé dans un lycée. Et là, ma mère, il était dans mon lycée. Voilà. Après, on s'est branché et tout. C'est le frérot, il envoie la vie de ma mère sous-côté et tout. Raconte sa mère. Bon, Meta, présente-toi un peu pour ceux qui te connaissent pas. Moi, c'est Meta, pour ceux qui me connaissent pas. J'ai 20 ans, je viens du 14e, je fais de la musique et voilà. Ça fait plus de 6 mois que je vis le même jour, que je fais les mêmes tours, devant la même tour. J'ai des problèmes différents, mais c'est toujours la même cause. Et c'est quoi ton actu un peu en ce moment? L'actu en ce moment, c'est des petits clips à droite, à gauche. On essaie de se concentrer un peu, sortir des clips régulièrement. Là d'ailleurs, il y a un clip qui va arriver dans pas longtemps. Donc voilà, je pense on va relayer ça. C'est carré, t'es en Espagne toi aussi à un moment, hein? Ouais, j'étais en Espagne, je suis resté 3 mois. Ouais, t'as fait quoi là-bas un peu? Là-bas, j'ai fait un peu des clips, j'ai fait une série de freestyle. Il a ouvert un club à la junk. Et de la déguste un peu et tout ça. C'est carré. Freestyle alors? Ouais, on va faire une freestyle, je pense bien. Ça, c'est le gros commissariat de Marseille, les gars. La vie de ma mère, il y en a plein, ils sont ressortis sans leur lacet ici. Ils ont arrêté Zampa et tout ici. Ah ouais? C'est un commissariat emblématique à Marseille. Quoi, tu as déjà été dedans ou quoi? Ça raconte-nous une fois une dinguerie, pourquoi tu as été là-bas? Dinguerie de zone, je fais 96 heures mandaté pour. La vie de ma mère pleine d'auditions, pleine d'OPJ et tout là-bas. Le gros commissariat de Marseille, ils ont arrêté Zampa et tout. Les cellules, elles sont toutes pourries dedans, on m'a dit, je crois. Ouais, elles sont pourries un peu. Ouais. Après, ça va le riz. T'as vu le riz curry? Passe bien.
matin, Casamance, en Marseille. J'étais un rappeur, les gars. Kit Kat. Bon, bien, quoi, bien. Tranquille. Ah, mon gars, ça va, quoi? Tranquille, et toi? Ouais, bien, déjà, est-ce que tu peux te présenter un peu? Ouais, moi, c'est Kit Kat, rappeur du 15e arrondissement aux Égalades, j'habite. Ça fait depuis l'âge de 12 ans, 13 ans, j'écris mes premiers textes. Et il y a un an et demi de ça, on s'est mis sérieux dedans et tout à fond. Et j'ai sorti mon premier clip. Et là, j'ai quelques sons sur les plateformes. Et j'en suis à mon 5e clip là, qui sort vendredi. Et voilà, avec Nono, on s'est connu il n'y a pas trop longtemps. C'est une connaissance. C'est une connaissance d'un collègue, et voilà. La vie c'est comme un jeu d'échecs, si t'avances sans réfléchir tu te fais manger. Y'a que la peur de Dieu qui me permet de me ranger, je leur sers plus la main, c'est devenu des étrangers. Je t'aurais éteint si je l'aurais voulu, on stagne jamais, on évolue. Bon gros, si je me souviens bien ici, la dernière fois que je suis venu, on m'a dit, c'est là que ça se pose un peu ce bac. C'est ça, c'est ça, c'était le repère depuis petit, on est tous restés ici, tu vois c'est quoi. On avait la cave dedans. Et ça dure, on restait là tous les soirs, toute la journée, on se retrouvait ici et on passait le temps. Hein. T'as clippé ici même? Ici, ouais, j'ai clippé. Je sais même pas si j'ai clippé. Ah, j'ai clippé ici? J'ai déjà clippé ici? Jure? Ah, ouais, ouais. 28 BDLP, je l'ai clippé ici. Et derrière, et sur ce toit aussi. Et il y avait les feux d'artifice et tout, je me rappelle. Et voilà, après on a essayé de changer d'endroit dans les autres clips. Et John Coffey aussi, je l'ai fait à l'intérieur du blog. Et voilà, c'est les deux premiers clips que je les avais fait ici. Je mange toutes les gênées, là ça devient gênant. Bro, je vais enchaîner, je reviens. Les gens qui veulent se mêler, on va déplanter. Rappeurs sont pétés, comme tout des plans. Je connais toutes mes missions, c'est comment les accomplir. Putain, c'est de la soumission que l'instru va subir. Si on prend des photos, nous c'est pour les détailler. La juge fera pas de cadeaux, sauf si t'es couleur cahier. La Hesse nous a maudit l'enfer, on va pas l'esquiver. J'ai viscère des gothiques, la concu, je vais les lessiver. Te mets pas la corde au cou, viens ici, la mort s'achète. Mais d'où tant tes yuko, sinon va péter ta cachette. Mon gars, le pétamine coche, IDS a suivi de la droite. Et pour remplir mes poches, j'allais viscère devant des boîtes. Si j'accepte, tout dépend de la proposition. Le rap français à main, je le baisse dans toutes les positions. À 6h du mat, fauvesse qu'il a perquisition. 28 boulevard de la Padone, si tu veux ma position. La concu, je vais la manger entre midi et deux. Je me suis débrouillé tout seul, moi j'ai jamais dit aider. Moi, des fois, je pars tout seul, dans ma tête, on est deux. Mais on peut être plusieurs si tu réveilles tous mes démons. Ils ont vu que le buzz monte, alors ils sucent. C'est moi qui mène le jeu, donnez-moi le numéro 6. Une fois tombé dedans, gros, y'a plus d'issue. Elle voulait une part de Malia, elle a eu que ma saucisse. Je parle avec mon assos, pété dans l'RS7. Il me dit, t'inquiète, bientôt on pètera l'RSQ8. Je croyais qu'on était plus, mais il en reste que 9. On va trouver le million, même avec 0,1 10. C'est mes panés dans nos affaires, si tu touches pas aux drogues dures. 70% de pur, le reste de somnifères. Tu sais, c'est qui de 4 vents d'enfuir. Viens chez nous, c'est la jungle, y'a toutes sortes de mammifères. Parle pas d'auto quand t'en as jamais vu. Ne parle pas de moto quand t'en as jamais fait. Ne parle pas de prison, t'as pas fait une garde à vue. C'est Kit Kat, me présente, mettez vos gardes à vous. Vax. Bon, mon ref, on a plein de choses à se dire, gros. Déjà, premièrement, toi, t'as commencé quand YouTube? T'as commencé comment? Moi, tu te racontes. Vas-y. Je t'ai vu, c'est le premier Fortnite. Mais j'ai lancé une partie sur Fortnite et tu peux tomber sur des gens aléatoirement. Genre, je suis tombé sur un mec, mais il lançait un live Twitch. Il était en live Twitch. Je suis tombé sur lui, je commençais à parler avec lui. Moi, je savais pas qu'il était en live Twitch. Et de là, il a bien aimé l'accent marseillais. Et j'ai fait 2-3 parties avec lui. Il l'a mis sur YouTube, ça a pété, ça a fait millions de vues. Ah ouais? De là, les gens, ils ont dit quoi? Ouais, Nono. Moi, je m'appelais sur le cross volley. C'était mon blast sur le jeu. Je m'appelais sur le cross volley. De là, ils ont commencé à lui dire ouais, joue encore avec le petit marseillais et tout et tout. Il a fait plein de vidéos avec moi. Du coup, ça a pété sur YouTube. Et j'ai décidé de me lancer sur YouTube et ça a bien marché. J'ai fait des vidéos dans des quartiers à Marseille. Ça a fait des millions de vues. J'ai fait plein de vlogs, plein de scies. J'ai fait plein de choses. La télé, France 3, TPMP, TF1, la Provence. J'ai tout fait. Et là, aujourd'hui, on est là, dans un parking avec Cap Morisson. Et bon, la vidéo qui a fait connaître un peu, là, c'est aussi, c'est 24 heures dans la peau d'un guetteur. Ouais. C'est-à-dire, ça t'est venu comment l'idée de ça, toi? Moi, il y a une période de ma vie où j'ai vu. Il n'y avait pas forcément de sous à la maison. Et moi, je voulais m'acheter des habits, je voulais aller manger comme tout le monde. C'est-à-dire, je faisais guetteur, tu as eu Aha, tu connais. Et je faisais quelques sous. De là, après, vu que je commençais les vidéos sur YouTube, j'ai vu que ça rapportait des sous, j'ai arrêté.
Et j'ai eu l'idée de faire ça, je me suis dit, attends, avant je faisais ça, et maintenant je suis sur YouTube, pourquoi pas montrer aux gens ce que je faisais avant et montrer une bonne image aussi, parce que même dans les médias et tout, ils rabaissent un peu tout ça, les quartiers et tout. J'ai essayé de montrer une bonne image, que les gens ils font pas ça parce qu'ils veulent montrer que c'est des voyous ou quoi. C'est vraiment qu'il y a un manque d'argent, je sais pas. TPMP, gros, c'était comment du coup? TPMP, mon pote, j'étais en pression, on arrivait, on a cavalé, on était en retard. J'arrivais, je suis rentré dans le plateau comme ça, les jambes elles tremblaient et tout. On se posait sur le plateau, après on a commencé à parler, on a commencé à lâcher 2-3 vannes, et après c'est bon, c'était carré, j'étais bien dans ma tête. Alors on est où gros du coup? Là on est dans le 5ème arrondissement de Marseille les gars, on est à la Pointe hein. Et je vais vous présenter le rappeur Mujerin XZ les gars. Ah kick. Alors ça va le sang bien, bon, tranquille. Bon merci. Les gars, Mehdi, vous connaissez déjà je pense, c'est un raha. Pour le peu de gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Un jeune boulanger en formation frérot, c'est aberrant frérot dans cette boutade. On est là nous, c'est la débrouille hein, c'est Marseille, c'est un peu comme tout le monde, la rue, on a tout un peu tenté tout. On atterrit dans le rap, ça fait 4 ans dans le rap. Et voilà, là on a la Pente, c'est aussi le quartier Adjou l'avant. Et voilà, on est là, bondi bondi. Y'a la moula dans le bloc, et la poudre dans le bloc. La caution elle va sauter, fais pas elle, c'est une loque. Si tu grattes, lève la plaque, j'ai à patte, fais pas le mac. Bon, ça a bien clippé ici j'imagine, non? Ouais, ça y est, on sait plus quel côté faire. On a tout fait. On a tout fait comme tout fait. Y'a Toufik aussi. Toufik ici aussi présent. Tout fait que c'est un cher, genre le meilleur guide touristique marseillais. Le meilleur dans la situation, tout fait, il s'appelle tout fait, il a tout fait. Il fait tout, il est sur tout. Bon toi ça fait quoi en ce moment un peu? Ça prépare quoi gros? Il y a des trucs qui arrivent? Moi là je vais annoncer un truc prochainement. Il y a eu une bonne nouvelle. Et à part ça voilà, l'album il est en préparation. Là j'ai déjà quelques titres de près. Il m'en reste pas beaucoup à faire. On va essayer un peu de régaler ceux qui attendent. Ça sort en fin d'année, Inch'Allah, si tout va bien. Et là, voilà, à l'heure où on parle, le Freestyle 11, il n'est pas sorti, mais il sort dans moins de 10 jours. Je reviens un peu avec la série Freestyle et tout, et voilà. Tu vas plus dans les villes et tout là, comme tu faisais? Si, je dois y retourner, Inch'Allah. Tu vas aller où la prochaine? Tu dis quoi? Je dois aller à Metz déjà. À Metz, c'est quoi ça? C'est ça où? Fait longtemps ça, gros, hein? C'est où, ouais, Metz? Parce qu'ils avaient gagné le concours, mais après, j'ai eu des complications et tout. Il y avait là, des ben trucs en vrai, et tout. C'est où Metz? Metz, c'est en haut de la France. C'est le nord? Ouais, vers c'est en haut là-bas, vers Strasbourg, l'Allemagne. T'as vu, c'est la France, c'est la France, c'est ça? Ouais, bah, ouais. Tout en haut à droite là-bas, Metz, ouais. C'est 57 là-bas. C'est vrai que t'as pas fait beaucoup le nord, toi, hein? Il fait froid là-bas. Ouais. J'ai pas eu la chance de voyager comme toi, tu fous. T'as voyagé un peu, toi? Moi, ça va. Et ouais, il a fait le commissariat de Noailles, il a fait l'évêché. Tiens, toi aussi, t'es un habitué. T'as parlé de l'évêché dans une interview, je crois. Ouais, mais ça y est, c'est comme il a dit Nino, on est ma vie d'avant. Ça y est, c'est passé, c'était les problèmes, ça. Ah, une question pour vous deux. Votre pire souvenir lié à des keufs, à des commissariats, je sais pas quoi. Toi, t'as déjà répondu à cette question? Ouais, j'ai déjà répondu, je crois, dans les autres interviews. Ouais, c'était une bavure, moi, en fait. Ouais, ils m'ont frappé à plusieurs à Paris. À Paris? Ça va, alhamdoulilah, on est là. Ouais, ils sont mauvais, c'est là. Tu trouves qu'ils sont pires à Paris ou ici? Ah, ils sont pires à Paris. Ouais. Là, 75, c'est fou, frère, c'est pas des humains. Ils les ont recrutés en Angleterre, je crois, c'est des gros bâtards. À part ça, ça va, la police 2022 elle est bien, c'est une nouvelle génération, ils font tous TikTok, ils sont gentils, c'est léger, justement. Ils font le selfie, ça a changé la police. Justement, vous deux, depuis toi t'es un gros youtubeur, toi t'es un rappeur, t'as fait tes preuves et tout, est-ce que la police ils ont changé de regard sur vous? Moi il y a déjà des condés m'ont reconnu et tout. Ah ouais, ouais. T'as aussi Mehdi ou quoi? Ouais, après c'est double tranchant, c'est soit il y en a ils t'aiment bien et te le montrent, soit il y en a bon ils sont tranquilles, ou soit il y en a ils ont la haine. Donc quand même pour une racaille ou une merde, ils se croient au-dessus. Après voilà, ça va, on arrive, on a l'habitude, on gère. Et avec la notoriété, on parle de la notoriété, c'est quoi le truc le plus fou que vous avez pu voir ou pu faire avec la notoriété? La notoriété, qu'est-ce que j'ai pu faire? Déjà moi je vais pas en boîte, je vais pas à la chicha, je vais pas dans les soirées donc je... Notoriété... Non ouais, ce qui est bien c'est que ça donne des sourires sur le visage des gens, mais... ouais. C'est déjà bien. Tu te rappelles la première fois que tu pouvais reconnaître ou pas? Moi j'étais dans un délire moi. Et le truc c'est que ça me connaissait un peu d'avant donc je me rappelle plus. Ah ouais? Et ouais, avant le rap. Ouais, ça a daté genre. Et ouais, c'est pour ça. Ouais, mais... C'était quoi toi? Moi c'était un délire, j'étais en cheveux, je suis qui et tout là.
Et ouais, moi, serré, j'avais un livreur UPA, je crois qu'il avait écouté mon son, j'avais serré. J'ai dit, t'écoutes et tout. Il m'a dit, ouais, c'est une tuerie. J'ai dit, ouais, ça fait plaisir, apprendre à pas lâcher, on est là. Mais le mérite, il revient pas à tout ça, les gars, il revient à Gam Morrison. Oh. Il a voyagé dans le monde entier. Tu me régales. Il n'a pas deux comme toi. Merci, Bert. Mais nous, on est resté à Marseille, je connais, on est mort, on va pas trop loin. Ah, c'est carré, c'est carré. En tout cas, force à toi aussi, force à Nono, ça va péter, ah, ça va péter. Et voilà, il y a un conseil à tous les jeunes. Les gars, la rue, ça paye pas. Il y en a, ils font plus de soi à McDo que certains qui sont au charbon. Voilà, ma mère. La vie de ma mère. Y'a pas de sous-métier, allez travailler. Je fais un live Twitch, je fais un TP, les gars. Voilà, là, voilà, ça y est, elle paye plus. Y'a plus un euro. Bah oui, allez, t'as fait. C'est ouais. Ça, les hommes. J'espère que ça vous a plu. On a essayé de montrer tout Marseille, mais le frérot était un peu pressé. Je voulais lui montrer plus de trucs. Et on a eu des galères. Je voulais passer dans plein d'autres quartiers et tout, mais le frérot était un peu pressé. C'est pas grave, on se laisse là. Frérot, prends soin de toi. Merci bien. Tueur, on a fait une bête des vidéos. Voilà, même on va en faire des trucs et tout ensemble. Avec plaisir. Tes réseaux, c'est tes réseaux. Déjà, ce soir, il y a un live Twitch. Ah, peut-être que je serai là, gros. Peut-être que ça sera là. Ah, gros, attends. Avant de terminer, j'ai la dernière question. Celle-là, je l'ai dit à tous les rappeurs, donc à pas de raison, je te la dis pas à toi. Quoi? C'est quoi ton équipe de foot préférée? L'OM, mec. Je vais te dire quoi. Juventus. L'OM, bon sang. Voilà, dans le cœur, hein. C'est carré. C'est quoi tes réseaux aussi, bien sûr? Nono, 13015 sur Insta. YouTube Nono. Sur Twitch, j'ai le Nono Twitch. Twitter Nono du Bendo, c'est léger. C'était bon, merci frérot. Débité. Mon compte PSN, ajoute-moi, Nono la gâchette 13.